Donc ce matin, on s'est réunis entre hydrauliciens. Donc les hydrauliciens, c'est les gens qui font vraiment la conception des turbines. Et ça nous paraissait important de se réunir parce que nous, personnellement, nos postes ne sont pas visés par ce PSE. Mais on ne peut pas ignorer que ce PSE nous touche de manière indirecte pour le moment, parce qu'on a des collègues avec qui on travaille tous les jours qui ne seront plus là demain, si ce PSE se fait. Et puis d'autre part, on est vraiment très inquiet sur la pérennité de l'entreprise après ce PSE, comment cette boîte va tourner avec 345 personnes de moins à des postes, certains postes qui sont vraiment clés, quoi. Enfin, tous les postes sont importants, mais il y a vraiment des postes clés qui sont visés. Donc on a tenu à faire une réunion entre nous pour pointer du doigt ces incohérences et les faire remonter ensuite à notre hiérarchie. Donc on a écrit une lettre en fait qu'on a tous signé. Et puis on l'envoie à notre hiérarchie pour expliquer un peu le sens de ce mouvement et pourquoi on le soutient.